Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend où vous vous trouvez, dans quelle partie du monde vous vous trouvez, puisque nous collaborons avec Mikuba Télévision qui émet sur Canal Plus, donc à travers le monde. Je vous dis bonsoir et bonjour. Docteur Kamba, bonsoir et bonjour aussi. Bonsoir et bonjour à vous aussi, M. Kibambi, chez toi. Vous êtes au cabinet du président de la République. Vous êtes conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la task force présidentielle. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation, puisque nous allons parler de la COVID. Alors, nous sommes toujours dans la seconde phase au moment où nous parlons, seconde phase de la pandémie. Pour avoir l'ordre de grandeur, celle-ci, elle signifie quoi la deuxième phase? C'est-à-dire deux fois, trois fois plus virulente que la première phase? Alors, merci beaucoup, M. Kibambi-Chito, de m'avoir invité. Je me permettrai pas, mais je le fais quand même, de vous corriger un peu. On ne parle pas de phase, là, on parle de vague. La différence, c'est qu'une pandémie peut évoluer par phase. Première phase, c'est l'arrivée de la maladie. Deuxième phase, c'est la contamination locale. Troisième phase, c'est la diffusion dans la population. Quatrième phase, c'est la baisse de l'épidémie. Par contre, la vague, c'est qu'on a fini cette première vague qui est passée par différentes phases et une nouvelle vague recommence. Et là, effectivement, nous sommes dans une deuxième vague. Alors, cela signifie tout simplement que après que nous ayons constaté au mois d'août une diminution très significative au point qu'il est arrivé même des jours où on avait zéro nouveau cas à Kinshasa, on a vu qu'on a des nouveaux cas qui apparaissent et qui remontent. Et qui remontent par phase, bien entendu. Et la phase centrale, ce qu'on appelle le pic, eh bien, c'est la phase où on a beaucoup plus de malades qu'au début. Actuellement, nous n'avons peut-être pas encore atteint le pic, donc nous sommes dans une phase de remontée de la maladie. Et cette vague ou phase est-elle plus virulente que la première? Alors, la virulence, ça se détermine sur deux axes. La première virulence, si on considère sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire, avons-nous beaucoup plus de nombre de cas maintenant qu'avant? Ou alors, la virulence sur le plan des symptômes, avons-nous des cas beaucoup plus graves maintenant qu'avant? Je vais faire la synthèse entre les deux. On ne peut pas comparer encore. Nous sommes en train de remarquer que ça correspond, nous sommes actuellement comme au mois d'avril, à peu près, avant qu'on se retrouve au mois de juin, quand on avait le pic. Nous sommes à peu près entre avril et mai, en termes de nombre. Maintenant, en termes de virulence sur le plan de la maladie, c'est un virus qui change. Nous, en médecine, on dit que le virus fait une mutation. Or, le virus qu'on voit se propager en Europe actuellement, c'est une mutation qui vient d'Espagne, qui semble donner l'impression que la maladie est beaucoup plus, on va dire, symptomatique, beaucoup plus sévère. Et donc, je peux dire que le virus maintenant, nous le surveillons vraiment beaucoup parce que nous avons la crainte que la maladie ne soit beaucoup plus sévère du fait tout simplement que le virus a muté, a changé. Et les chiffres qui vous arrivent de donner de temps en temps sont à minima ou disons quand même sont approximatifs puisque nous ne sommes pas encore capables de tester tout le monde. Alors on ne peut pas tester tout le monde et en fait les tests que nous faisons nous donnent juste ce que nous on appelle la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en réalité on découvre très peu de cas par rapport au nombre réel de cas. Mais à la limite, est-ce que c'est nécessaire de tester tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que nous avons pris la stratégie de tester ceux qui présentent des signes et les contacts très proches de ces personnes-là.
avec cette stratégie-là, nous ne voyons pas tous ceux qui ont contacté le virus et qui n'ont pas présenté des symptômes, et donc des signes, et qui se promènent. On ne les détecte pas du tout. Mais pourquoi j'ai dit qu'à la limite, ce n'est pas nécessaire, c'est que tout simplement, au-delà du test, il y a aussi notre sociologie et notre pyramide d'âge. Notre sociologie, c'est quoi? C'est le fait que nous vivons à l'extérieur, en Afrique. Quand on vit à l'extérieur, il y a moins de risques de contamination que quand on vit à l'intérieur. La plupart de Congolais rentrent dans la maison pour dormir. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a moins de risques de se contaminer, parce qu'on est plus souvent à l'extérieur. Maintenant, quand on regarde maintenant notre pyramide d'âge, c'est qu'on a à peu près 3-4% de gens seulement qui ont plus de 65 ans. Mmh. Des gens qui développent plus de symptômes et plus de risques de décéder. Voilà pourquoi est-ce que la stratégie n'est pas nécessaire d'aller tester tout le monde. Ça ne nous apporte rien si ce n'est l'information du nombre de cas. Alors, les téléspectateurs peuvent se poser la question de savoir pourquoi moi je pose pas, je ne porte pas le masque. Eh bien, parce que tout simplement je suis protégé par un docteur qui a un masque. C'est vrai ce que je dis. Oui, vous avez raison, mais vous avez aussi une deuxième explication, c'est qu'on est au moins à un mètre de distance. Il faut savoir que le virus ne saute pas. Le virus peut être éliminé quand on tousse, quand on parle, mais au-delà d'un mètre, généralement, le virus ne contamine pas. Donc moi, je peux enlever aussi mon masque, parce qu'on a une distance réglementaire qui nous permet de parler sans masque. Très bien. Alors, à l'époque, quand le virus a commencé à faire ses effets, vos équipes, quand elles se trouvaient en face de quelqu'un qui avait de la fièvre, l'emmener pour isolement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Bon, déjà parce que nous avons appris beaucoup. C'est un virus nouveau. Rappelez-vous qu'au mois de janvier, on n'en parlait pas. Les Chinois ont commencé à en parler au mois de janvier. Et nous sommes au mois de décembre, ça veut dire que ça nous fait 11 mois. Donc, nous avons eu le temps de découvrir beaucoup de choses. Une des premières choses qu'on a apprises, c'est qu'il n'était pas nécessaire de mettre tout le monde à l'hôpital. Mmh. Il y a des gens qu'on peut soigner tranquillement chez eux à la maison, et c'est la très grande majorité. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien de ramener tout le monde à l'hôpital. Par contre, rester à la maison, ça ne veut pas dire ne pas soigner correctement. Un des symptômes, un des signes que nous surveillons vraiment, vraiment beaucoup, c'est la quantité d'oxygène dans le sang. Et ça, on a un tout petit appareil qu'on met au bout du doigt qui nous permet de voir ce qu'on appelle la saturation. Combien d'oxygène on a dans le sang. C'est un élément indicateur parce que parfois, on n'a pas beaucoup de symptômes, mais on peut déjà remarquer que le taux d'oxygène baisse. Et ça, ça veut dire qu'il faut aller très vite à l'hôpital pour commencer à recevoir de l'oxygène et des soins appropriés. Donc, on n'amène plus systématiquement les gens à l'hôpital, on amène les gens de manière plus intelligente, ceux qui en ont vraiment besoin. Et ceux qui restent à la maison, qu'est-ce que vous leur donnez comme médicaments? Comment les soignez-vous? Alors, quand on a eu la première vague, nous avons fait l'option qu'on soignait tous ceux qui étaient positifs. Et ça continue. On les soignait avec une thérapie basée sur la chloroquine et un antibiotique. On a choisi l'azithromycine avec un complément de zinc et de vitamine C. Ce traitement-là, nous, ici au Congo, mais en Afrique et dans les autres coins du monde où on a utilisé ça, on s'est rendu compte qu'on a diminué de beaucoup la mortalité. Bien entendu, il y a beaucoup de discussions scientifiques sur l'efficacité de la chloroquine, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a des virus qui peuvent être soignés par des médicaments comme la chloroquine, dont on connaît déjà les effets, comme on dit, anti-inflammatoires, qui sont utilisés dans les maladies rhumatismales et d'autres maladies chroniques. Et j'ai noté aussi qu'il y a des personnes qui, sans se rendre nécessairement auprès du médecin, se soignent eux-mêmes à la maison. L'automédication est indiquée dans ce domaine précis du virus? En médecine, nous n'indiquons jamais l'automédication. Parce que les recettes de grand-mère peuvent fonctionner chez une personne, mais pas chez une autre personne. Je viens de vous dire Non, juste chloroquine et tout. Oui, mais je viens de vous dire que
on peut avoir un taux d'oxygène bas dans le sang sans se rendre compte. Oui, ça, on ne peut pas trouver à la maison, bien sûr. Ça, on ne peut pas trouver à la maison. Et malheureusement, on sait que ce virus donne quelque chose de spectaculaire. C'est ce qu'on appelle la tempête inflammatoire. Vers le 7e ou le 10e jour, on voit brusquement quelqu'un qui allait bien, aller très mal et mourir en 24-48 heures. Mais si on avait surveillé son taux d'oxygène, on se serait rendu compte qu'il y avait déjà des atteintes respiratoires, pulmonaires, dont on n'avait pas connaissance physiquement. Parce que physiquement, la personne se sent plutôt bien. Mais la mesure de l'oxygène nous permet de voir des personnes qui commencent à décompenser avant même de se rendre compte. Est-ce qu'on peut trouver ce test-là dans toutes les formations médicales du... Oui, c'est juste un petit appareil qui ne coûte même pas 10$ et puis qui nous permet juste de voir le taux de sucre, le taux d'oxygène dans le sang. Et c'est important à surveiller. Donc, se soigner à la maison, je vais te dire oui, mais pourquoi vous soignez-vous tout seul? Parce qu'on peut vous donner ces mêmes médicaments en ayant surveillé si vous avez besoin de plus ou pas. Mais je parle des gens qui n'ont pas le moyen pour... Vous savez, on peut en parler, hein, il y a des populations qui sont complètement démunies, qui au moment tel ne peuvent pas sortir le moindre sou. À ce moment-là, je crois que ce sont ces personnes qui... Alors, je répète ici, et là, vous faites bien, M. Kibambichuto, de parler des sous, parce que j'attire vraiment l'attention des centres hospitaliers. Le traitement de COVID, le président de la République l'a dit, c'est gratuit. Je répète encore, le traitement de COVID, c'est gratuit. Les tests sont gratuits, le traitement d'hydroxychloroquine, azithromycine sont gratuits, le diagnostic, c'est-à-dire la surveillance médicale, est gratuite. Donc, on n'a pas besoin d'argent pour aller dans un centre. Il faut y aller. Parce que si vous restez à la maison, en fait, votre automédication, et que vous ne vous rendez pas compte, vous allez finalement y aller quand c'est trop tard. Très bien. Un virus compliqué, hein, on ne le maîtrise pas complètement, ni vous ni nous. Et tout de suite, on voit venir le vaccin. Ah ben ça, on commence quand même à se poser des questions. Et un vaccin qui, au départ, on a parlé de 4 000$ pour avoir ce vaccin, c'est curieux quand même, docteur. Alors, ce n'est pas curieux, mais je comprends la question qui est derrière. Est-ce que ce vaccin, il est nécessaire? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que le vaccin, il est bon? Ça, c'est parce que, est-ce qu'il protège vraiment contre le virus? Troisièmement, est-ce qu'il entraîne des effets secondaires? Quatrièmement, est-ce qu'on peut sortir un vaccin en si peu de temps? Voilà un peu les questions que je sous-entends. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est ça. Tout à fait. Mais si c'est ça, je vous réponds en ordre. Premièrement, les vaccins sont nécessaires. Je parle des vaccins en général. Rappelez-vous que nous tous, nous avons été vaccinés depuis toujours. Nos enfants aujourd'hui continuent d'être vaccinés contre la rougeole, contre la poliomyélite. Vous savez que nous avons fini dans ce pays, là maintenant, nous avons fini la poliomyélite sauvage. Vous savez, la poliomyélite, celle qui laisse les gens infirmes qui sont maintenant sur les fauteuils roulants. On a fini ça grâce au vaccin. La rougeole des enfants, on finit ça grâce au vaccin. Il y a des maladies qui ont disparu grâce au vaccin. Donc, les vaccins ne sont pas mauvais en soi. Maintenant, est-ce que le vaccin de COVID est nécessaire? Personne aujourd'hui ne peut penser sérieusement qu'on va finir une épidémie de niveau mondial juste en restant les bras croisés. Donc le vaccin pourrait être nécessaire. Je dis bien pourrait être nécessaire parce que cette maladie, nous apprenons beaucoup. Est-ce qu'on peut sortir un vaccin en si peu de temps? Oui et non. Oui, parce qu'on a des nouvelles technologies qu'on n'avait pas il y a seulement 10-15 ans pour fabriquer. Tout ce qui est génétique, la thérapie génique, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, on peut copier une séquence de protéines très rapidement. Et grâce à ça, on peut fabriquer un vaccin très rapidement. Mais même si on a fabriqué très rapidement, le vaccin doit passer par toutes les étapes, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'est pas toxique. Deuxièmement, s'assurer qu'on a testé chez des personnes qui vont bien et que ces personnes l'ont bien toléré. Troisièmement, s'assurer que ces personnes-là n'ont pas été contaminées parce que le vaccin les a protégées. Et quatrièmement, s'assurer que les personnes vulnérables qui vont le recevoir peuvent vraiment recevoir. Donc moi je dirais que scientifiquement, il ne faut pas être contre le vaccin. Politiquement,
Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux contre les vaccins, qu'on va mettre des puces dedans, qu'on va nous tuer. Mais ça, c'est par contre vraiment des théories complotistes qui n'ont pas de sens. Si on veut nous tuer, on met des produits dans l'eau. Si on veut nous tuer, on met les produits dans les médicaments qu'on reçoit tous les jours. Nous ne fabriquons qu'un médicament ici. Si on veut nous tuer, on met dans les vaccins qu'on utilise déjà. On n'en fabrique pas beaucoup, parce qu'il y a quand même la quinine qu'on fabrique dans l'Est. Oui, on fabrique avec Pharmakina, on fabrique la quinine. C'est juste pour lui. Mais les autres vaccins qu'on a, si on veut vraiment mettre des choses dedans, on peut mettre des choses dedans. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie complotiste. Mm-hmm. Mais par contre, qu'on soit prudent sur un vaccin qui vient à peine de sortir... Pour une maladie qui vient d'apparaître, oui, et c'est ça la responsabilité des pouvoirs publics, de s'assurer que, ben, voilà, on donne aux populations des choses qui ne sont pas toxiques. Parlons des remèdes de la grand-mère. Est-ce que vous les encouragez? En tant que médecin moderne, vous me direz non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Deux choses. D'abord, ne pas confondre les remèdes de la grand-mère... de la recherche locale. Parce que, localement, nous pouvons trouver des produits qui ne sont pas ailleurs, mais qui nous permettent d'être soignés. Et, au niveau de la task force présidentielle, nous avons reçu énormément de chercheurs. D'ailleurs, un chercheur comme Jérôme Mounyangui, c'est nous qui l'avons fait venir. Mais il y a aussi l'équipe du professeur Ekwalanga qui est à Lubumbashi. On a l'équipe de Dr Vangu qui a travaillé. On a beaucoup de chercheurs congolais qui travaillent. La chose que nous leur demandons à tous sans exception, c'est en tant que chercheur, suivez les règles. Ça, c'est la chose qu'on demande à tous. Maintenant, ça, c'est de la recherche scientifique pure, mais par nos chercheurs locaux. Les remèdes de grand-mère, c'est tout ce qu'on a l'habitude de prendre et qu'on croit que ça nous aide. Premièrement, là-dedans, il y a des choses très importantes qui sont bonnes. Je prends tout ce qu'on consomme qui sont bonnes pour renforcer notre immunité. Je parle de l'ail, je parle de l'oignon, je parle du gingembre. En tout cas, beaucoup de substances que nous consommons qui sont bonnes, oui. La chose que nous ne recommandons pas, c'est de systématiser. C'est-à-dire, si vous prenez ça, vous allez guérir. Parce que premièrement, on va mentir. Et deuxièmement, on va diminuer la vigilance des gens. Et puis troisièmement, on ne peut pas assurer... que ce qui a marché pour tel, qui a fonctionné pour telle personne, va fonctionner pour telle autre personne. Voilà pourquoi on est prudent pour dire oui ou non. Je suis content de votre prudence parce que j'ai reçu deux dames qui viennent d'Europe et qui m'ont certifié que la plupart d'entre les Africains qui sont en Europe se soignent de cette façon-là et toutes les personnes, la plupart des personnes qui sont allées voir les médecins, ces personnes-là sont mortes. Il y a une dame qui m'a dit, mon mari et moi, nous étions malades, nous sommes calfeutrés chez nous, on a fait des bains de vapeur, on a utilisé les mentholatomes, et mon mari et moi vivons jusqu'à aujourd'hui grâce à ces médicaments. C'est peut-être un couple rare. Et elle m'ajoute... Elle ajoute qu'ils ont commencé à soigner même les Européens des environs. Enfin, vous avez bien dit, ça dépend d'une personne à l'autre, mais ça tend, semble-t-il, à se généraliser. Bon, je veux juste dire que oui, on a des exemples, des personnes qui peuvent nous confirmer cela. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Mais notez deux choses. Premièrement, les Africains qui vivent en Europe, sont morts comme les Européens. Mais que les Européens qui vivent en Afrique sont protégés comme les Africains. Cela veut dire qu'il y a probablement dans notre environnement des facteurs protecteurs qui font que, voilà, on a été moins impacté. Parmi ces facteurs, probablement qu'il y a des facteurs dans notre pharmacopée, dans ces substances-là, c'est possible. Sauf que, généraliser, nous ne pouvons pas le faire en tant que scientifique et puis surtout en tant que responsable politique, parce que si quelqu'un prend le même traitement, décède, on ne va pas conclure que ce traitement est mauvais. Mais si la personne prend le traitement et s'en sort, on ne va pas conclure non plus que le traitement est bon. On peut constater que la personne a pris ce traitement et que la personne va bien.
Mais on ne peut pas faire des relations de cause à effet sans une approche beaucoup plus rationnelle. Et d'autres qui affirment s'être enfermés dans leur maison, d'avoir fait une quarantaine et de n'avoir bu que de l'eau et qui s'en sont sortis. Alors, premièrement, ils se sont enfermés, donc ils se sont reposés. Deuxièmement, vous savez que 80% des gens qui contactent ce virus guérissent spontanément. On a 20% qui développent des symptômes et 5% qui développent des symptômes graves et qui peuvent même entraîner la mort. Nous sommes autour de 2% de personnes qui décèdent. Donc, quand quelqu'un dit « je suis resté chez moi », mais s'il fait partie des 80% qui vont bien, il va aller très bien. Mais quel est le conseil que vous donnez? Le conseil qu'on donne, c'est que vous avez des symptômes, faites-vous et surveillez par une équipe qui peut vous venir en aide très rapidement. Vous pouvez vous enfermer, ça, c'est très bien, vous permettez de ne pas contaminer les autres, vous permettez vous-même de vous reposer et de récupérer, mais à la moindre aggravation, ayez la prudence de vous faire surveiller parce que peut-être que vous avez juste besoin d'oxygène. Ce serait dommage de mourir dans la maison et beaucoup de gens sont morts. Nous avons la preuve, nous, parce qu'on a surveillé l'épidémie depuis le début, on a vu beaucoup de gens mourir parce qu'ils sont enfermés, ils ont eu peur d'aller à l'hôpital. Et ils arrivent trop tard. Mais il y en a qui ont peur d'affirmer que le papa, la maman est morte de la Covid. C'est peut-être ce qui fait en sorte que beaucoup de nos compatriotes n'y croient pas. Si vous donniez du certificat sur lequel on avait marqué Covid, peut-être que les gens y croiraient beaucoup plus. Mais, non, les Africains m'étonnent toujours par leur peur et par les rumeurs qu'ils affirment comme des vérités. Cette maladie, c'est une maladie respiratoire. C'est un virus. Et ce virus est connu. Nous connaissons, on a déjà eu d'autres coronavirus. Celui-ci, c'est le nouveau, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle nouveau coronavirus, mais on a eu d'autres coronavirus. Ce sont des virus respiratoires. Pourquoi est-ce qu'on a honte? Pourquoi est-ce qu'on se cache? On n'a commis aucune faute en attrapant un corona. Et c'est pas une maladie honteuse. C'est pas le sida. On n'a pas fauté quelque part pour attraper le coronavirus. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a honte? Je pense qu'il faut vraiment dire aux gens, n'ayez pas honte. Vous n'avez fait aucune faute. D'autre part, c'est dangereux de vous cacher parce que vous pouvez peut-être être sauvé en prenant les médicaments que nous, on sait que si on les prend tôt, eh bien, on peut guérir. C'est triste de se cacher d'une maladie pour laquelle on n'a rien fait. Est-ce que si vous faites un accident de circulation, vous allez avoir honte? Non. Alors, une autre question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu, mais je voudrais insister. Quelle disposition une épouse aimante devrait-elle prendre quand elle se trouve en face d'un mari atteint de la Covid? Alors, c'est une bonne question, mais je la repositionne autrement. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans la même maison avec quelqu'un qui est contaminé? Moi, je parle d'épouse parce que nous sommes encore une fois africains. Hein? Oui, mais cette épouse-là, c'est aussi une maman. Ce papa malade, c'est aussi un papa. Donc, ce qu'on sait, c'est que le CDC américain qui a travaillé sur la contamination à l'intérieur du domicile, a émis un certain nombre de recommandations. On demande que toute personne qui vit en situation cloisonnée, donc dans la maison, qui est atteint, porte son masque à l'intérieur. Quand une maman qui est atteinte fait la cuisine, elle se lave les mains bien sûr, elle porte aussi son masque. À table, on garde une distance pour pouvoir juste protéger les gens qu'on aime avec lesquels on vit. Ce qu'on doit quand même dire, c'est que c'est 14 jours que l'épouse dorme dans une autre chambre parce que la nuit, vous ne pouvez pas dormir avec le masque. Vous allez tousser, vous allez contaminer l'autre. Quand on aime quelqu'un, on le protège. Et donc, pour éviter de le contaminer, ben on garde une distance de 1 mètre. Ce n'est pas la fin du monde.
Pour 14 jours, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, je ris parce que, après, quand la maladie est finie, on téléphone à la maman pour dire, vous savez, Georgette, je ne sais pas qui, m'a abandonné. Et ça peut amener des divorces. Ça peut amener des divorces. Mais juste garder c'est un le problème principe. D'amour. Oui, quand on aime les gens, on les protège. Oui, absolument. Mais je voudrais quand même insister là-dessus pour dire les personnes les plus à risque sont les personnes âgées. Donc, si on a quelqu'un de jeune qui est contaminé, la chose à faire, c'est de protéger nos personnes âgées. C'est-à-dire, ne pas aller la voir ou alors y aller avec un masque et garder une certaine distance. C'est juste pour la protéger le temps que la maladie passe. Alors, les symptômes ont-ils évolué ou sont-ils restés les mêmes? C'est-à-dire fièvre, toux sèche, et puis fatigue, courbature, et puis manque d'appétit. Manque d'appétit, perte d'odorat, perte de goût. Oui, tout ça, ça reste, mais la maladie nous apprend de nouvelles choses. On découvre, par exemple, qu'on a de plus en plus de gens qui présentent des symptômes cutanés, de la peau, parce que ça reste une maladie inflammatoire. On voit des gens qui développent des symptômes cardiaques et des maladies rénales. Donc, c'est une maladie beaucoup plus générale qu'on ne le pensait au départ. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des complications cutanées qui peuvent aller beaucoup, beaucoup plus loin, notamment un syndrome qu'on appelle le syndrome de Kawasaki, qui était beaucoup plus rencontré chez les enfants, qu'on voit beaucoup avec Covid et qui peut entraîner la mort. Ou des amputations, non? Ou des amputations. Oh là là. Bon, vous êtes seul dans votre voiture et vous portez un masque. Moi, je trouve ridicule parce que le virus se promène quand même pas c'est dans l'air. C'est juste une bêtise. C'est juste une bêtise. Vous êtes tout seul. Pourquoi vous vous protégez contre qui? Il n'est pas en l'air. Ah ben, je viens de vous dire qu'une des choses qui a protégé les Africains, c'est parce qu'ils vivent à l'extérieur. Parce que le virus n'est pas en train de se promener dans l'air comme ça. C'est un virus de transmission respiratoire. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est contaminé, c'est là que vous prenez le risque. Quand vous êtes tout seul, vous ne prenez aucun risque. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a moins de gouttelettes dans l'air. Alors, une autre question, puisque c'est quand même une émission grand public. Vous êtes avec des amis que vous rencontrez tous les jours, vous avez l'habitude de vous retrouver dans un ganda, il y a quand même de l'air conditionné. Est-ce que c'est dangereux? Ah oui, alors ça c'est dangereux pour deux raisons. Premièrement, plus vous êtes confiné, plus la charge virale, si quelqu'un est contaminé, va être élevée. Parce qu'il n'y a pas de ventilation, le virus reste dans la pièce confinée. Deuxièmement, la climatisation pousse l'air dans un sens. Donc si vous êtes dans une pièce et quelqu'un est contaminé du côté de la climatisation, vous à l'arrière-plan, eh bien, vous prenez le risque parce que l'air est pulsé vers vous. Et on a vu des gens se contaminer dans un bus en Europe, ça a été confirmé scientifiquement, parce que tout simplement l'air conditionné est arrivé vers les personnes qui étaient saines en venant des personnes... À ces gens-là, vous dites quoi? Quel conseil vous leur donnez? Ah ben, on dit que portez votre masque quand vous êtes dans un milieu confiné. Et on dit que... Et d'ailleurs, je pense que le président de la République va annoncer des mesures. Et je crois qu'une des mesures pourrait être de ne pas aller dans les lieux confinés, notamment toutes les cérémonies... On avait déjà dit ça, toutes les cérémonies de funérailles, de fêtes, de... Dans les milieux confinés, ce n'est pas une bonne idée. Mais confiné, c'est quoi quand vous êtes 4, 5 dans une pièce assez large? Vous appelez ça confiné? Non, parce que même dans une maison, on est souvent plus de 4 ou 5. Ce n'est pas ça. Le confinement, les pièces confinées, je parle de regroupement. Nous, on avait fixé à plus de 20 personnes dans une pièce mal aérée. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Puisque vous parlez du président de la République, allons-nous vers le confinement? Non, on ne va pas aller vers le confinement parce qu'encore une fois, le virus nous a appris beaucoup de choses. Une des choses que le virus nous a appris, c'est les conséquences socio-économiques. Quand nous avons confiné Gombe, nous nous sommes rendus compte de l'impact socio-économique
qui a eu lieu sur la ville de Kinshasa, mais aussi sur le pays, de façon générale, parce qu'on a confiné aussi Kinshasa. Donc, et puis on sait aujourd'hui que le confinement en soi n'est pas une solution si ce n'est pas un confinement intelligent. Par exemple, des épicentres, de l'endroit où le virus est très développé, là effectivement, on va dire, ok, on va limiter la sortie du virus de cet endroit vers d'autres endroits. Quels sont les endroits les plus confinés? Vous appelez ça comment? Les plus touchés, les épicentres. Ou les épicentres. Alors, on a Gombe, bien sûr. Ah, il reste... Oui, parce qu'en fait, encore une fois, le virus vient par les gens qui voyagent. Et cette vague, pareil, a recommencé comme ça, même si on avait déjà au niveau communautaire. Deuxièmement, on a la partie de Ozone, mais surtout Limété. Et donc voilà un peu les coins qui nous intéressent beaucoup, qu'on surveille comme de l'huile sur le feu. Mmh. Et donc, pas de confinement? Pas de confinement général, non. Général, hein. Ok. Quel conseil maintenant le médecin peut-il donner à côté de tout ce que je dis? Non, il y a une question. Quelles sont les maladies sur lesquelles le virus vient prospérer? Alors, le virus ne vient pas prospérer sur des maladies, mais le virus entraîne des conséquences beaucoup plus graves et peut entraîner la mort sur un certain nombre de maladies préexistantes. On s'est rendu compte que l'hypertension artérielle, et vous savez que les Africains ont beaucoup d'hypertension, le diabète, toutes les maladies chroniques de type de maladies cardiovasculaires, de type de maladies cancéreuses, toutes ces maladies qui fragilisent déjà le système de défense, eh bien, malheureusement, quand le virus arrive, le corps ne se défend pas bien. Et on voit aussi quelque chose qui n'est pas une maladie, mais qui est un facteur, l'âge. Au-delà d'un certain âge, le virus est beaucoup plus 65 grave. 65 ans. Au-delà de 65 ans. Alors, donc il nous faut beaucoup de discipline personnelle si nous voulons nous en sortir avec bonheur. Alors, j'attire l'attention des Congolais qui ne disent pas, on ne voit pas de cadavres, il n'y en a pas beaucoup. Parce que cette maladie ne donne pas seulement des conséquences liées à cette maladie, mais donne des conséquences à d'autres. Par exemple, on a un taux de malnutrition, donc d'enfants beaucoup plus mal nourris depuis que le virus est là. On a eu beaucoup de cas de mortalité, de paludisme, de malaria, parce que les gens n'accédaient plus aux médicaments. Du fait qu'on a fermé les frontières, du fait qu'on a diminué la production, du fait qu'on a mis l'argent de la santé dans la maladie. Donc en fait, on doit prendre cette maladie au sérieux parce que, au-delà d'elle-même, elle a des conséquences sur les autres. Quelqu'un qui a le paludisme, eh bien, ce paludisme n'entraîne pas des conséquences sur les autres problèmes. Mais quelqu'un qui a Covid entraîne des conséquences sur d'autres. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit être beaucoup plus sérieux et ne pas prendre ça à la légère. Et c'est pour ça que les recommandations qu'on donne, notamment les mesures barrières, il faut les respecter. Il faut les respecter parce que ça nous protège tous collectivement et ça ne coûte pas cher de se laver les mains. Ça ne coûte pas cher de porter un masque. Ça ne coûte pas cher de respecter une distance de 1 mètre. Et ce sont des mesures qui ne coûtent pas cher, mais qui nous protègent. Et donc je recommande sincèrement aux Congolais d'être sérieux, de ne pas minimiser, de ne pas dire c'est une maladie des blancs, c'est une maladie des riches. Eh bien, malheureusement, l'enfant qui meurt de paludisme parce que Corona est là, c'est l'enfant de n'importe qui d'entre nous. Et nous qui avons plusieurs frontières, nous sommes exposés, la République démocratique du Congo, parce qu'on a l'impression qu'on est concentré, on concentre les efforts sur Kinshasa, alors que ça peut nous venir de Zambie, ça peut nous venir d'Angola, ça peut nous venir d'Ouganda, ça peut nous venir de... Oui. Et là, vous avez parfaitement raison. C'est pour cela que nous surveillons les gens qui arrivent aux frontières. Nous avons remarqué, on n'a pas d'épicentre tout à l'heure, on a remarqué que Kinshasa est très touché, mais le Nord Kivu aussi. Pourquoi? Proximité des frontières. Le Haut-Katanga aussi. Pourquoi? Proximité des frontières. Et donc, effectivement, plus on a de frontières, plus on est exposé, parce que c'est un virus qui vient de partout. Nous sommes dans une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale. Donc, nous avons déjà le virus à l'intérieur de chez nous, mais nous avons aussi des gens qui viennent de l'extérieur qui apportent le virus. Le paludisme, quelqu'un ne viendra pas de Paris avec le paludisme ici. Quelqu'un ne viendra pas de la Zambie avec son paludisme pour nous contaminer.
Et donc, c'est ça la spécificité de cette maladie-là. C'est une maladie de contamination respiratoire. Et plus on vient d'une zone touchée vers une zone non touchée, ben on expose la zone non touchée. Alors, j'ai appris aussi, docteur, qu'il y a des gens qui trichent avec les papiers en Europe, qui veulent se réfugier ici, non seulement des compatriotes, non seulement des Africains, mais aussi des étrangers qui trichent. Ça, c'est dangereux. Malheureusement. Et la prise en charge, est-ce qu'elle est sérieuse ? Malheureusement, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous, ce sont les services belges qui ont attrapé des réseaux de faussaires. Les services français ont attrapé aussi des réseaux de faussaires. Mais chez nous aussi, on a des réseaux de faussaires ici. On a des gens qui, au lieu de faire le test, utilisent les feuilles de l'INRB pour pouvoir estampiller négatif. Et malheureusement, les faussaires, c'est vraiment la justice qui peut régler ce problème. Mais c'est dommage parce que ça expose vraiment la population. Et quand vous êtes faussaire dans votre propre maison, vous exposez les membres de votre famille. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Docteur, si vous avez l'une ou l'autre chose à dire à nos compatriotes, je vous laisse le temps de le dire. Je voulais vraiment insister sur cette maladie parce qu'elle fait des ravages en Europe. Si elle venait à commencer à faire des ravages ici chez nous en Afrique, ce sera l'hécatombe. Je pense sincèrement que nos compatriotes devraient réfléchir à ne pas toujours considérer que ce qui arrive aux autres ne nous arrivera pas. On n'est pas dans un monde où nous sommes seuls. Nous sommes dans un monde globalisé. Les avions arrivent, vous avez dit, les gens viennent de la Zambie, du Rwanda, de partout. Nous sommes dans un monde globalisé. La protection doit être une question de responsabilité, aussi bien à l'interne, dans sa propre famille, qu'au niveau collectif. Je vous ai dit que cette maladie, au-delà du nombre de cas de décès qu'on peut dire faible, cette maladie entraîne des conséquences et des décès beaucoup plus larges encore dans d'autres types de maladies, comme le paludisme. Donc je dirais vraiment, c'est respecter. Surtout que ce qu'on doit faire, ça ne coûte pas très cher de se laver les mains, ça ne coûte pas très cher de porter un masque, ça ne coûte pas très cher de respecter une distance. Ça ne coûte pas très cher. Et ça ne coûte pas cher de rester chez soi au lieu d'aller dans un bar où il y a des gens qui parlent, qui rient, et vous savez qu'il y a un risque. Nous avons aujourd'hui 173 nouveaux cas par jour. C'est énorme. Nous étions arrivés à 5 nouveaux cas par jour. Nous sommes à 173. Vous imaginez le nombre de fois qu'on a multiplié? Donc, plus on sera sérieux, plus on va tous ensemble vivre longtemps en bonne santé. Merci, docteur. Le dernier conseil que je donne à nos compatriotes, nous, quand nous grandissions, on nous disait si tu manges couché, ta mère va mourir. Et nos parents trichaient un peu. Et vous, si vous êtes allé faire du sport et que vous rentrez à la maison, puisque vous n'êtes, même si vous êtes contaminé, vous résistez mieux. Faites attention de ne pas contaminer les parents, puisque vous pouvez les perdre. Et quand on perd un parent, on a perdu un être cher qui aurait pu contribuer à votre élévation et d'esprit et d'intelligence. Merci, docteur, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, monsieur. Et à la prochaine. Merci.